Et bien salut à tous, c'est Dodo Info, j'espère que vous allez bien les amis, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux hand spinners insolites. Alors peut-être vous le savez ou vous le savez pas, aujourd'hui c'est la mode, c'est mondial et tout le monde a des hand spinners à peu près aujourd'hui. Bon pas tout le monde mais la plupart des gens ont un hand spinner, c'est la mode, il y en a dans les bars, dans les magasins, dans les restos, vraiment partout, plein de gens ont acheté ces hand spinners. Moi aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur deux hand spinners insolites, pourquoi? Car ils sont tout simplement high tech, donc il y en a un qui fait de la lumière, l'autre qui fait de la lumière, mais pas que, on verra après. Donc avant qu'on démarre la vidéo, je tiens à remercier Hugo, un pote à moi de classe qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc Hugo, un grand merci à toi. Et sur ce, on va commencer avec ce premier hand spinner. C'est un spinner en métal, à part ici, je pense, là où ça cache les roulements, où on met les doigts. Ça, je crois que c'est en plastique, donc je sais pas, je l'ai pas examiné. Bon, je suis pas expert, après je vous le dis, un hand spinner. Donc ça, c'est deux faces, alors il y a deux faces sur celui-là, pardon. Donc j'appelle ça des faces, hein. Comme je vous le dis, je suis pas expert, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, moi je dis que ça, il y a deux faces sur celui-là. Donc sur chaque face on a des LED, donc ici on a deux LED, ici deux LED, donc sur les deux LED qu'il y a, il y a une LED qui éclaire en rouge et en bleu, et c'est des LED très très puissants, c'est-à-dire que si vous posez votre hand spinner par terre avec les LED vues sur le plafond, ça éclaire votre plafond, et si vous mettez les LED direct sur, enfin, vues sur les yeux, ça fait très mal aux yeux, c'est vraiment très très puissant. C'est cool parce que la nuit, même si vous êtes en soirée, que par exemple il y a de la fumée et tout ça, vous aimez votre hand spinner, vous faites ça avec vos potes tout ça, ça peut donner un petit côté sympa en soirée. Si vous n'avez pas de smartphone d'éclairage, vous avez votre petit hand spinner qui fait de la lumière et ça c'est cool. Donc pour l'allumer c'est un peu bête mais il faut pas avoir peur, il faut taper sur une surface assez dure. Donc moi je vais taper sur mon os, voilà, hop, voilà, et voilà le hand spinner est allumé. Donc là vous le voyez, la nuit qu'est-ce que ça fait, donc il y a encore une meilleure immersion avec la lumière. Ça donne vraiment un côté très très joli la nuit et ça envoie du pâté. Donc avant de passer à l'autre hand spinner, ce hand spinner est au prix de 6€ ou de 7€, je me souviens plus exactement. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de la vidéo qui vous redirigera vers Amazon. Et maintenant, nous allons passer au meilleur hand spinner. Alors lui, c'est le plus insolite que j'ai vu. Quand je l'ai vu sur Amazon, j'ai tout de suite voulu l'acheter, donc je l'ai acheté, voilà, vous l'avez vu. Donc déjà, c'est un hand spinner qui fait de la lumière, donc vous le voyez ici, voilà, il fait de la belle lumière. On a entendu qu'il y avait du son, donc déjà vous avez peut-être poser des petites questions là, peut-être vous avez compris certains d'entre vous. Et là, il y a un petit bruit qui nous a signalé qu'il s'est connecté au smartphone. Et oui, ce hand spinner est Bluetooth et se connecte avec votre smartphone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lire des vidéos de vos galeries de YouTube, écouter des musiques, tout ça avec le hand spinner et tout ça avec un bon son. Le son n'est pas saccagé, je vais vous faire écouter après. Il y a vraiment un son est correct, il est très fort. Et il grésille pas, et le son est vraiment rien à dire. Bon après bien sûr il n'y a pas trop de basses comme sur les JBL, les enceintes Bluetooth, tout ça. Mais quand même, il y a quand même un bon son. Et je suis assez content quand même de la qualité du son. Donc on va prendre tout de suite notre l'iPhone 7. Donc c'est compatible avec tous les smartphones, et Android et iOS et Windows Phone. Mais bon, Windows Phone, hein, j'aime pas trop. Bon c'est mon avis, je sais pas s'ils ont le Bluetooth, Windows Phone je pense. Donc après, vous êtes sur votre smartphone, moi je prends une musique qui est sans droit d'auteur pour pas que ma vidéo soit supprimée. Donc c'est parti. Et voilà, il y a la musique, donc on va avancer un peu pour que ça bouge. Et voilà, il y a de la musique sur le hand spinner. Et on peut faire tourner le hand spinner en même temps. Non, je sais pas danser, c'est bon, je passerai pas à la télé pour danser, non, je suis nul. Je suis juste fait pour faire des vidéos sur YouTube, c'est tout. Bon, voilà, vous l'avez vu le son, alors je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais le son est assez correct. Il n'y a vraiment rien à dire au niveau du son. Là, vous voyez ce que ça donne la nuit, ce hand spinner est très joli, il dessine comme des petites fleurs, des trucs assez sympas avec les lumières. Donc il y a trois coloris en lumière, il y a le bleu, le rouge, le vert. Et ça fait des dessins assez sympas avec la musique en plus si on le souhaite. Alors là, certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais oui, monsieur hand spinner, il va durer un mois et après je vais devoir le jeter parce que il y aura plus de musique ou il y aura plus de lumière, voilà. Mais en fait, vous êtes totalement faux parce que ce hand spinner se recharge. Et oui, les amis, c'est encore plus impressionnant. Il se recharge. Donc on a le petit câble qui est fourni. On branche le câble sur le hand spinner. Donc bon, il faut l'éteindre, voilà. Ensuite, voilà, on le branche sur le côté, donc ici. Une fois que notre câble est branché, on le branche sur notre secteur, donc moi pour ma part, je vais le brancher sur mon secteur OK, que j'ai déballé. Et voilà, mon hand spinner va se recharger tout seul. Donc avant de vous dire le prix, je vais vous dire vraiment tout ce qu'il y a, et là ça va vraiment vous choquer avec le prix. Donc là, on a un câble de fourni avec le hand spinner, on a le système qui permet de recharger, donc on a une batterie. On a le son, donc on a l'haut-parleur, on a la lumière qui est aussi pas mal.
Et aussi, on a un spinner qui tourne très très bien. Vous le voyez, il n'y a vraiment aucun souci. Il tourne très très bien. Je crois qu'il tourne à peu près, allez, une minute maximum. Mais sinon, voilà, il tourne très très bien. Tout ça pour 3,99€ chez Amazon. Vous avez vu, c'est pas cher du tout. Soit 4€. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter. Hein, le lien est dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Donc moi les amis, j'espère que cette vidéo sur les hand spinners et non les hand spinners vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Dans les commentaires de la vidéo, je veux que vous commentez. Merci Hugo, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Donc si Hugo, tu regardes cette vidéo, s'il y a des petits commentaires sur toi, j'espère que ça te fera plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Salut !